Cette semaine, nous allons te demander quel cadeau le rabbi demanda au chassidim de lui offrir pour le jour de son anniversaire. Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Durant un des farbringen qui précédait le jour du Yud Alef Nissan, le jour de l'anniversaire du rabbi, le rabbi dit au chassidim qui se préparait à lui offrir un cadeau d'anniversaire que le meilleur cadeau qui pourrait lui être offert est un cadeau lié à l'étude de la Torah en général et plus particulièrement à l'étude de la Chassidut. Le rabbi continua ses propos en disant que malgré que généralement un cadeau se fait uniquement en fonction de la volonté de celui qui l'offre, malgré tout, puisqu'il est aussi destiné à rendre heureux celui qui le reçoit, il est donc bon de dire quel cadeau sera le plus apprécié. Matone bichlal, que sich mit Schachers stellen sich in die Neue. Aber Matone sich verbunden mit Geben seiner Nachas Ruach. I wusste so um die Sein, zu Doka bei von Kach, oder Pulis Tevis bei von Kach, und Masin Tevis bei von Kach, da hat bei jedem, die nur noch in der Rotze, wie Tee, wie Joscher, wie Neu, wie Kulu, mit alle 15 Teeren, was sagt, die Nemes wie Yassir, Also sein bei jedem in der Linie von Isof in der Linie von Lima der Tele. Wie Koomus sei in Nigle und sei in Pnimit. Le Rabbi déclara aussi que toutes les mitzvot qui seront accomplies le jour de son anniversaire en son honneur seront très appréciées. Tout de même, il serait voulu d'accompagner ces accomplissements à l'étude de la Torah et plus particulièrement à la Chassidut. La question de cette semaine est « Quel cadeau le rabbi demanda au chassidim de lui offrir pour le jour de son anniversaire ?» Dans la vidéo numéro 31, la question était « Qu'est-ce que le rabbi nous demande de faire le jour de son anniversaire ?» La bonne réponse est de faire un farbringen avec sa famille et ses amis et de prendre des bonnes décisions. Le gagnant de cette semaine est Shmuel Elbaz de Sarcelles. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabbi.org. Mazel Tov et joyeux anniversaire à Israël Arieleib Lévi de Saint-Tropez. Nous te souhaitons une année pleine de réussite, Begashmiut et Beruchniut. Que tu puisses être un soldat fier de Tzivat Hashem en donnant beaucoup de nachat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach.